La deuxième page, vous devez entrer l'adresse et le numéro d'information. Par exemple, maintenant, la ligne numéro 1, vous pouvez entrer le chiffre de votre domicile, 555, peut-être rue Jacques. Et après, c'est optionnel ici si vous avez des autres informations. La cité, c'est Paris. La province, c'est l'île de Paris. Et le postcode, peut-être 788878, n'importe quoi. La région, c'est encore Paris, France. C'est France. Après, ici, cette question, c'est très important parce que c'est le domicile dont tout votre papier, document, terre, c'est envoyé dans cette maison. Après, si vous avez un autre domicile, vous pouvez choisir oui ou non. Pour maintenant, vous choisissez non. Après, il y a des autres informations extra si vous voulez choisir ou non. Encore, le numéro de téléphone primaire au domicile dans votre maison, 626-94. Voilà. Secondaire, si vous avez un autre chiffre, sinon vous pouvez cliquer ici, non. Numéro de travail, si vous avez un numéro de travail ou sinon, vous pouvez cliquer ici. C'est optionnel. Direction de courrier, vous pouvez écrire Jacques 123 at Google, gmail.fr, peut-être. C'est un exemple. S'il vous plaît, encore, vous pouvez réviser l'information parce que c'est très sensitif. Ici, c'est le numéro encore pour votre papier et pour l'avenir. Encore, je voudrais ici maintenant garder l'information et continuer à la troisième étape, que c'est le passeport. Maintenant, je veux garder l'information. Comme vous pouvez voir, il y a des erreurs et vous devez réviser encore si vous avez cliqué oui. Et voilà, encore, garder l'information. Et c'est complet.